Oui, salam alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je viens de recevoir en fait un message d'un ami, comme quoi le PDG en fait de Ryanair, il vient d'encore une fois en fait d'insulter les musulmans et la communauté musulmane. Il dit soi-disant comme quoi les musulmans, etc., c'est eux le risque de terrorisme et tout. Ils viennent encore une fois de nous insulter. Et nous, les musulmans, ça fait des années et des années qu'ils nous insultent, qu'ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. Parce qu'ils n'arrêtent pas à chaque fois, c'est les musulmans, les musulmans, les musulmans. On ne dira jamais ça sur que des autres communautés ou quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, rajoutez à la rigueur 100 euros, 200 euros, ou des 100 ou 200 dollars, et prenez une compagnie nationale. Marocain, algérien, tunisien, sénégalais, tout ce que vous voulez. Et ne laissez pas les boycotter, les vols, etc. Ne laissez pas nous insulter encore une fois. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Tous les jours, chaque semaine, on entend des patrons, des politiciens nous insulter. Et il ne faut pas compter sur nous, les personnes qui nous gouvernent, soi-disant nous gouvernent. Parce que franchement, c'est du n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils vont jamais bouger les petits doigts. Tant qu'ils ne les touchent pas, eux, ils sont menacés de toute façon. Tant qu'ils ne les touchent pas, ils vont jamais bouger les petits doigts. Et même si on les touche, ils ne bougeront pas de toute façon. Donc s'il vous plaît, c'est à vous, c'est à moi, c'est à tout le monde de bouger et de boycotter Ryanair. Même si c'est un peu moins cher, rajoutez 100 euros, 200 euros et prenez une compagnie nationale. Parce que le jour du jugement, vous allez être jugé pour ça. Merci beaucoup, merci à vous. J'espère que vous allez le faire de votre côté. Il ne faut pas dire non, c'est rien. Encore une fois, il ne faut pas dire non, c'est rien. Parce que cet argent, elle va être dans ses poches. S'ils nous insultent aujourd'hui, on ne dit rien. Demain, ils passeront à l'étape suivante. Ce qui se passe en Chine, etc. 1 million de musulmans qui sont bloqués dans des prisons, etc. Et on ne leur dit rien, il n'y a personne qui parle. Tout ce qui est BFM, les médias, etc. BFM, CNews, etc. Ils ont jamais parlé de ça, ils vont jamais parler de ça. Donc c'est à nous d'agir et c'est à nous de réagir en fait à leurs propos racistes, islamophobes, etc., etc. Merci beaucoup et au revoir.